mort de tout homme. L'heure est à l'action pour intensifier les réponses face aux méfaits du VIH qui continue à s'attaquer aux forces productives du pays, retardant chaque jour davantage notre capacité à faire reculer les frontières de la pauvreté et de l'ignorance sur ce sol de nos ancêtres. Dans cette bataille de tous les instants, où chaque seconde compte, mes interventions auprès du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, sont permanentes et partout où une tribune m'est offerte pour faire le plaidoyer sur le dépistage systématique et l'accès au traitement, je répondrai présente. Tout le monde qui est parlé dans ce bon ça c'est Angeline Bernardin qui c'est un monde qui a vive avec VIH sida dans San Ludiligien environ 12 ans depuis la vive avec maladie ça, mais il dit il passé en pile mauvais moment parce que il mettait le sur côté et puis il bal mauvais non côté, il demandait pour bagage ça yo fini dans le pays d'Haïti pour considérer un monde qui a vive avec maladie sida tant un monde tant un monde qui normal. On entend Angeline Bernardin. Moi, c'est un PDVIH. Moi, j'ai gagné 12 ans depuis que ma vie avec PDVIH. Moi, je suis fière de ce que sont PDVIH. Et non plus, les m'a gardé dans la journée, je dis à cette journée mondiale, sida. Est-ce que je dois me respecter? Si on dit ça à cette là, la vie se santé, c'est droit. Est-ce que mon droit à la santé, droit au logement, droit au travail? Quand plus jeune qui vivent avec VIH, pour qu'ils pas qu'à travailler, pour qu'ils pas qu'à jouer le côté éducation pour capable de l'école. Donc, tout le monde qui a vivre avec VIH, par le mourir. Mais qui pas un droit à l'éducation. Il n'y a pas de stigmatisation, de discrimination. Tout le monde discrimination. Pour moi-même, je suis de discrimination. Pour que ça se mette à part. Pour que ça l'aide au monde de cancer, il est sick. Il fait attention. Il est capable de dire moi-même, fais attention. Moi-même, fais sick. Pour que ça ne soit pas capable de dire moi-même, faut payer le VIH. Moi, c'est hier, comme je suis PDVIH. Je ne suis pas du sida, je suis PDVIH. Parce que si je suis un sida, je suis couché sur l'hôpital, c'est moi qui suis vivant, qui suis tout le monde. Parce que ma vie avec j'aime, qui est un sida même, pas. Moi, je souhaite que je dis, moi j'ai 12 ans que je vis avec lui. Mais grâce à Dieu, moi là, médicaments, nous pas des médicaments, il n'y a pas bon médicaments. Il y a parfois une prescription. Pour nous gagner, nous pas capables de l'acheter parce que pas de l'argent. L'on paraît que vous concerné, nous n'avons pas de possibilité de gagner. L'on paraît non, l'hôpital général, pour un monde qui a poussé, qui n'a pas de traitement. L'on vient aller, l'on vient hospitaliser, je dis pas de madame, pas de gagner. Et puis, il y a un directeur, alors, directeur départemental de l'Ouest, MSPP, Dr. Martial Benesh, qui parle tout, sur cause sida, il dit, il y a un pile d'efforts qui fait dernière année, ça y est, pour faire taux prévalence, arrêter à 2%, et il fait qu'on est, malgré tout, il y a un pile problème, parce que il y a une crise financement, qui donc, l'État a marqué moyen pour bataille contre sida. Entendez, Martial Benesh. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, qui c'est le jour où on prend pour commémorer et une maladie qui aujourd'hui est dans le stade pandémie, qui c'est VIH-Sida, qui va empirer le problème. Donc, je dis le 1er décembre, le ministère de la Santé publique, à travers toute direction départementale, nous avons un ensemble d'activités qui mettent sous pied, des activités de sensibilisation, des activités tout, et pour permettre des dépistages qui fait pour nous prendre un statut sérologique, à savoir, les offres fait Tesla, si nous sommes positifs pour nous canaliser dans un centre côté qui a pris la charge, si négatif tout pour nous balle des messages qui permettent de gagner un comportement sexuel responsable. Ensuite, et distribuer des flyers, pamphlets qui permettent que gagner des messages clés. Que moun yo doit gagner, yo doit connaître, yo doit appliquer spécialement moun ki pi jeune yo. Dans ensemble centre de santé qui gagne, l'hôpital yo et dans des points fixes
et à travers tout le pays, la même activité ça fait, donc sous le patronage ministère là, et ensemble avec partenaires qui ont aidé le pays à combattre la maladie ça qui, depuis 1983, à aujourd'hui, a bien un pile problème, même si il y a un pile GFO qui fait, donc problème qui a gagné avec le virus ça, l'autre est fait prendre avec aujourd'hui, c'est pas même. Donc, il y a des médicaments, l'autre prend, ou respecte les conditions pour vivre, à savoir, et tout principe que vous avez. Donc, on peut vivre et tant que bon Dieu t'a bien pour le là. Et dans quel niveau que nous considérons que nous sommes dans la politique publique dans la bataille contre SIDA, est-ce que jusqu'à présent nous satisfaits? Et nous ne pouvons pas dire nous satisfaits puisque trop prévalence là, je veux dire, c'est-à-dire quantité de monde en général qui gagne lycée 2,2%, c'est-à-dire sur chaque 100 monde, il y a environ 2 monde qui gagne virus ça. Donc, je veux dire, c'est arrivé et à prévalence là. Et puis bas que 2,2%, donc pour t'as coupé chaîne transmission. Mais faut nous dit, je dis, un pile partenaire qui tape des pays dans la question maladie, ça râle quoi, puisque sur le plan mondial, il y a des difficultés économiques, donc partenaire ça n'a pas mis les mêmes quantités comme il a mis il y a 10 ans de cela. Donc je dis, c'est l'État, dans 5 ans qui a venu, qui a gagné pour prendre ou lève d'une manière générale, c'est-à-dire que faire prise en charge là, acheter médicaments ou bien jeune médicaments pour bail monde. Mais il y a pile d'efforts qui fait, et surtout sur le plan de la stigmatisation, parce que longtemps, les hôtels du monde qui ont vécu ça, c'était presque et la mer à boire, c'est-à-dire c'est un bail catastrophique, mais je vous dis, il y a une acceptation qui est plus ou moins faite, non seulement beaucoup de personnel de soins, mais tout beaucoup de monde qui vivent avec monde qui trappent le virus. Mais il y a pile d'efforts qui était pour faire, puisque prévalence, c'est-à-dire quantité de monde qui a maladie, l'aile diminue, il y a deux questions pour poser. Est-ce que mon yo c'est guéri ou guéri qui fait quantité ça diminuer, ou bien est-ce qu'il mourit ou mourit? Donc, jusqu'à présent, pour avoir une étude qui réalise sur ça, puisque il y a deux phénomènes qui influencent quantité de monde qui atteint le virus. Par exemple, vous avez 10 monde, l'autre testé ou elle passe à 6 monde ou 12 satisfaits, mais l'autre 4 monde, est-ce que c'est guéri ou bien c'est mourir ou mourir? Donc, faut que nous regardions ça, mais je dis, faut que nous disions que Haïti fait un pile GFON dans zone là, côté que gagner quantité monde qui atteint qui a baissé considérablement, bien que j'en dis là, rechemin a été pour le fait pour nous capables de arriver de baisser tout plus bas que possible. Donc objectif de c'est tout ça, est-ce que nous mettons chiffres sur les quantités comme ça a été, et puis et dans quel moment nous les capacités de 2,2% à d'agir un chiffre qui tend vers zéro? Et ils ont fixé d'ici 2030 pour y arriver, j'en dis vers un chiffre qui tend à zéro pour prévalence arriver dans le niveau ça. Mais maintenant, quantité qui pour faire ça, et li a demandé une étude qui approfondit, bien que premier bagage qui vient pour faire pour nous baisser tout maladie ça, c'est éducation, sensibilisation pour nous arriver à faire mon yo gagner l'autre comportement, surtout jeune yo. C'est-à-dire que pour mon yo pas entrer dans une relation sexuelle non protégée avec deux partenaires qui ont pas contre statut yo, et ensuite pour mon yo tout si mon yo jeune yo pour pas entrer dans une relation sexuelle dans faire bagage trop bonnet, et là yo entrer là-dedans faut que yo protéger tête yo, donc utiliser préservatif. Mais message ça faut le passer dans l'église yo, dans l'école yo, dans marché yo, dans péristyle de tout côté qui gagne monde qui réuni. Maintenant nous pouvons arriver dans face ça, puisque question sexe en Haïti est un phénomène tabou. C'est-à-dire que si mon enfant a 16 ans, il pas qu'à demander maman la papa qui ça fait bagaille, comment on doit faire bagaille, qui j'entends de faire bagaille, il pas qu'à demander pasteur ça, il pas qu'à demander professeur l'école dans ça tout. Donc on pense que il y a des efforts pour faire dans ça pour nous arriver mettre sujet ça sous table pour si mon yo ca mieux renseigner qui j'en pour protéger tête contre maladie ça, et comme ça on va arriver et diminuer prévalence. Bon, docteur Martial Benesh, tu as parlé sur décision ministère de la santé publique qui prend pour résoudre des problèmes qui étaient gagnés avec agence santé communautaire polyvalent. Yo, nous sommes qui étaient gagnés longtemps. Yo, tu as fait grave pour demander l'aide nomination. Yo, le ministère de la santé publique a décidé de remettre 500 lettres nomination pour agence santé communautaire polyvalent. Yo, et Martial Benesh fait qu'on est agence santé ça. Yo, il gagne en pile importance pour ministère parce que c'est eux-mêmes qui a aidé dans diverses campagnes, il a pénétré en cours, campagne vaccination, campagne sur façon pour monde manger et la trier, c'est eux-mêmes qui a porté message sensibilisation. Nous avons dit Marcel Benesh l'autre fois.
ministère de la Santé publique avec le gouvernement, le docteur Jacques Guy Lafontaine, qui est le premier ministre, président de la République, là, c'est pris engagement pour nommer tout agent de santé communautaire polyvalent dans tout le pays. Mais comme c'est l'Ouest-là qui go, je dis à nous commencer avec l'Ouest-là, je dis à nous bailler à tout agent de santé, ça yo, son gros effort. Agent de santé communautaire polyvalent, ça yo, il y a un pile rôle qui est occasionné dans le système, là, puisque formation permet que vous ayez des faits vaccination, vous ayez participé dans la campagne de nutrition, yo ka passer des messages de sensibilisation, yo là tout pour y aller dans la communauté, pour yo prendre moun yo, pour yo mener dans l'institution, les cas dépassés. Donc je dis son gros effort qui est fait et son gros pas et gouvernement et docteur Jacques Guy Lafontaine en tête, en fait son gros pas tout ministre de santé publique fait qui gagne en tête le docteur Marie Greta Clément et son gros pas département fait les que je dis nous prenons pour nous distribuer près de 500 lettres avec agents communautaires et polyvalents agents de santé communautaire polyvalent qui pour plus fort dans la commune Kafou avec Cité Soleil qui permettent que je dis les gens qui sont dans la zone ça qui pas gagné institution santé tout près la caillou capable de bénéficier et bien de trois actions qui permettent que vous êtes en santé à travers l'agence.